Bonjour à tous. Alors, les coachings sont probablement la manière la plus rapide, la plus simple de monétiser votre activité en ligne et de commencer à gagner de l'argent de façon importante et de façon pérenne. On peut vraiment vivre sur le long terme avec les coachings. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 10 astuces qui vont vous permettre d'y arriver. Et on commence tout de suite avec la première astuce. Ce qu'il y a de génial avec les coachings, c'est que justement, c'est gratuit et c'est rapide à mettre en place. Pourquoi est-ce que c'est gratuit? Eh bien, tout simplement parce que pour commencer à vendre des coachings, il vous faut une présence sur un réseau social, genre LinkedIn ou Instagram par exemple, et juste un compte PayPal. Ça veut dire que vous pouvez déjà commencer à présenter votre activité, à démarcher des clients et réussir à vendre des prestations pour plusieurs centaines d'euros. Je vais vous raconter l'exemple d'un de mes clients qui s'appelle Quentin, qui est dans le domaine de la productivité. Son blog n'est pas très actif, par contre, lui a été extrêmement actif sur LinkedIn. Il a commencé à se rapprocher de personnes qui étaient intéressées par le sujet de la productivité. Il a échangé avec ces personnes sur les réseaux sociaux. Il y en a un mois ou deux, il a réussi à décrocher une première commande auprès d'un client qui était un professionnel complètement débordé, qui s'en sortait plus du tout au niveau de son planning et qui lui a demandé un coaching pour pouvoir améliorer sa productivité. Ainsi donc, mon client Quentin, en présentant son activité de façon astucieuse et intelligente, a réussi à encaisser sa première commande significative. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire qu'en étant astucieux sur les réseaux sociaux, vous pouvez gagner de l'argent avant même d'avoir à développer votre blog ou votre chaîne YouTube. L'autre côté qui est cool, c'est que vous n'avez même pas de formation à créer. C'est une offre que vous pouvez simplement lancer d'ici un jour ou deux. Mais justement, quelle offre lancer? Et là, on arrive au conseil numéro 2. Je vais vous expliquer ce que j'appelle la formule mini-session. Si vous voulez commencer avec quelque chose d'économique pour tester, pour voir ce que ça donne, faites-le de cette manière. Proposez à vos clients un coaching de session. Une première session par Zoom, par Skype, par téléphone, comme vous voulez, dans laquelle vous allez écouter votre client, donc un peu comme un médecin écoute son patient pour poser son diagnostic. Donc là, vous êtes surtout en train de poser des questions, d'essayer de comprendre la situation de votre client. Ensuite, vous allez prendre une semaine ou deux pour préparer un plan d'action pour votre client. Et lors de la deuxième session, vous allez lui expliquer le plan d'action à mettre en place. Cette mini-session coaching de séance peut se vendre dans de très nombreuses thématiques pour des prix qui sont relativement abordables, mais qui peuvent aussi atteindre des niveaux élevés. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'essayer de faire cette première mini-session pour 100 euros ou alors 200 euros. Et en fonction du succès que vous voyez, vous augmentez progressivement vos prix en augmentant aussi la valeur perçue. Par exemple, en proposant d'envoyer des enregistrements, en proposant de faire un compte rendu écrit, en proposant par exemple de faire un troisième rendez-vous de suivi. Ainsi, au fur et à mesure, vous augmentez la qualité de votre prestation et vos tarifs en fonction de la demande, du succès que vous avez dans votre thématique. Le troisième conseil, c'est d'aussi comprendre que le bouche à oreille est extrêmement important. Le bouche à oreille va vous ramener des clients supplémentaires. La majorité de mes clients coaching me contactent parce que j'ai été recommandé. Et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent. Et si vous sentez que vous n'êtes pas en mesure d'aider un client, il vaut mieux simplement décliner l'offre. Par exemple, la semaine dernière, j'ai remboursé un de mes clients coaching parce que son projet tournait plus autour du e-commerce avec de la vente d'objets concrets. C'est pas du tout mon domaine. Moi, je suis dans les infoproduits. Et donc, j'ai simplement expliqué à ce client que son projet avait sûrement du potentiel, mais que je n'étais pas la personne qui pouvait l'aider. Et je pense que c'est une bien meilleure stratégie à avoir sur le long terme. Pourquoi? Parce que si j'avais pris cette commande, j'aurais pu effectivement encaisser l'argent, mais mon client n'aurait pas été satisfait. Ça aurait forcément un moment nui à ma réputation. Donc, il vaut mieux toujours jouer la carte du long terme et ne pas prendre les affaires sur lesquelles vous ne vous sentez pas 100% compétent. Le conseil numéro 4, c'est que le coaching, c'est bien. Mais WhatsApp, c'est encore mieux. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devriez essayer de proposer à vos clients. C'est quelque chose que moi, j'ai mis en place il y a un an sur les coachings Traffic Mania. Mes clients coaching ont accès à mon WhatsApp perso et ainsi, ils peuvent me poser des questions quand ils le souhaitent, 7 jours sur 7. Moi, j'ai toujours mon téléphone dans la poche et donc, 2-3 fois par jour, je regarde les messages que les gens m'ont laissés et je leur réponds. Pourquoi c'est intéressant? Il faut bien comprendre qu'entre plusieurs sessions de coaching, il peut se passer une semaine, 15 jours, parfois un mois, quand les gens ont beaucoup de travail à effectuer. Et pendant cette période, ils sont un petit peu laissés seuls. Et ce moyen WhatsApp, c'est vraiment super intéressant pour eux parce que ça leur donne la possibilité de poser toutes les questions qu'ils veulent au fur et à mesure. Donc, c'est comme si j'étais finalement dans leur poche
à leur côté pour répondre à toutes leurs questions. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que vous pourriez proposer en option pour vendre vos coachings un peu plus cher. C'est un système qui est hyper facile. Les gens vous laissent des notes vocales ou des notes écrites. Vous, vous pouvez simplement répondre avec des notes vocales. C'est rapide. Le client a sa réponse instantanément et il n'a pas cette hésitation, cette confusion qui fait que, bah, par exemple, il va faire les choses qu'il ne faut pas faire, ce qui va générer du retard parce qu'il faudra recommencer. La cinquième astuce, elle concerne votre rémunération en tant que coach. Il y a parfois des thématiques dans lesquelles c'est pas évident de vendre des coachings qui sont chers. La solution à ce moment-là, c'est de proposer des coachings de groupe. Au lieu de faire du tête-à-tête que vous allez facturer plusieurs centaines d'euros la séance, eh bien vous allez faire des coachings de groupe qui vont être économiques à 6, 7, 8 personnes. Vous pouvez faire ça avec Zoom, c'est extrêmement facile à mettre en œuvre. Et ainsi travailler en petits groupes et pouvoir proposer à ce moment-là des coachings qui sont beaucoup plus économiques. C'est quelque chose qui peut être intéressant si vous êtes dans une thématique comme les langues, si vous voulez donner des cours en live. Si vous êtes en tête-à-tête, ça va être compliqué de facturer très cher parce qu'il y a quand même un prix de marché sur cette thématique. Mais si vous avez des groupes de 6, 7, 8 personnes, eh bien à ce moment-là, la séance de coaching peut être très rémunératrice pour vous, bien qu'elle reste économique pour votre client. Le sixième point, c'est que le coaching est vraiment cool parce qu'il va vous donner une autorité. Il y a beaucoup de gens qui n'en font pas sur Internet, tout simplement parce que ce sont des experts auto-proclamés. Il y a beaucoup de gens, par exemple, dans ma thématique, qui sont incapables de faire des coachings. J'ai aussi beaucoup de clients qui m'ont dit avoir commandé des coachings chez certains de mes concurrents. Ils avaient été carrément déçus parce que c'était pas très bien préparé ou alors ça restait très théorique. Moi, je fais des coachings qui sont extrêmement concrets et c'est pour ça que j'ai un bouche à oreille qui fonctionne bien. Et donc, si vous faites des coachings, ça va vous donner une crédibilité, une autorité sur votre niche que vos concurrents n'auront pas. Donc, c'est même bon pour la vente de vos futurs infoproduits. Le septième point, il est lié, c'est que les gens préfèrent vraiment les coachings concrets. Et ça, on me l'a dit. Comme je vous l'ai dit, j'ai des clients qui avaient commandé des coachings chez certains de mes concurrents. Ils avaient été déçus parce que ça restait dans la haute altitude, stratégie marketing, mais ils n'avaient pas les actions concrètes à effectuer. Moi, j'ai pris la décision d'orienter mes coachings sur du concret, sur des actions, en disant exactement aux gens ce qu'ils doivent faire, en leur donnant des exemples, en leur proposant des idées de sujet, des idées de lead magnet, en corrigeant leur positionnement, bref, en étant vraiment dans le pratico-pratique. Alors effectivement, ça donne beaucoup de travail aux gens qui me suivent, mais au moins ils ont une piste concrète et ils savent exactement ce qu'il faut faire. Et donc c'est super important, parce que c'est ce que me disent mes clients, que vous fassiez des coachings qui soient le plus concret possible. Le huitième point, c'est sur le prix de vos coachings. Les coachings, ça peut être extrêmement rémunérateur. Aujourd'hui, une séance avec moi, c'est 3000 euros et mon planning est plein. Et donc, ça représente une part importante de mon chiffre d'affaires en complément de la vente de formation que je fais toujours. Mais si aujourd'hui, je peux proposer des tarifs élevés, c'est parce que je suis dans la partie depuis longtemps. Je n'aurais pas pu proposer des tarifs aussi élevés lorsque je me suis lancé. Quand j'ai créé Traffic Mania en 2015, la première année, j'avais proposé des coachings, mais c'était des coachings en solution mini, comme je vous en ai parlé en début de cette vidéo, c'est-à-dire qu'on faisait deux séances téléphoniques, une première séance d'écoute, ensuite je construisais la solution sur mesure, et ensuite lors de la deuxième séance, je proposais le plan d'action à mes clients. À cette époque, mon tarif était très avantageux, très économique, mais comme je débutais, je préférais partir d'assez bas, vendre mes créneaux, avoir la satisfaction d'avancer, de mieux comprendre mon audience, de gagner en expérience, de gagner en expertise. Et puis, j'ai augmenté mes tarifs progressivement pendant une année. Ensuite, j'ai laissé tomber les coachings pendant plusieurs années pour me mettre sur les infoproduits. Et l'année dernière, j'ai recommencé avec un tarif qui est assez élevé, qui est vraiment premium, de l'ordre de 3000 euros. Mon conseil, c'est que vous devriez prendre le même chemin que moi, c'est-à-dire commencer avec des tarifs qui sont modestes. Et si vous pensez que dans votre thématique, vous ne pouvez pas aller au-dessus de 50 ou 100 euros, c'est pas grave, à ce moment-là, essayez d'organiser des coachings de groupe. De toute façon, même en faisant des coachings individuels à 100 euros, si vous arrivez à en vendre une vingtaine dans le mois, ce qui n'est pas trop difficile sur ce genre de tarif, vous avez quand même généré 2000 euros de chiffre d'affaires. Ça commence à peser dans la balance. Et encore une fois, en proposant l'accès à un WhatsApp, en proposant des options enregistrement, vous pouvez ensuite proposer des options plus onéreuses qui vont doper votre chiffre d'affaires. Le neuvième point, c'est que n'hésitez pas à proposer un appel téléphonique pour vendre vos coachings. Je pense qu'environ la moitié des coachings que j'ai conclus,
Je les ai finalisés par un appel téléphonique. Comment ça se passe concrètement? Ben, c'est très simple. Il y a une personne qui m'envoie un email en me disant qu'elle pourrait être éventuellement intéressée par un accompagnement. Moi, ce que je fais, c'est que dans la journée, je propose de rappeler cette personne et j'écoute. Donc, je passe un petit coup de fil et j'y vais tout simplement en fait. Je dis ben, bonjour, c'est André Dubois, on a échangé par email. Donc, vous avez un projet sur Internet, en quoi ça consiste? Et j'écoute les gens me raconter. Et là, j'essaye déjà de voir si je suis en mesure d'aider les gens ou pas. Si je pense que je peux les aider, eh bien ma réponse, elle est toute simple. Je vous renvoie un petit mail avec mes détails tarifaires, avec le détail de la prestation. Et si ça vous intéresse, eh bien on peut commencer d'ici 15 jours, 3 semaines. À partir du moment où les gens discutent avec vous, ils découvrent votre personnalité, ils voient que vous êtes une vraie personne, que vous n'êtes pas juste quelqu'un qui est sur YouTube ou sur un blog ou sur un réseau social. C'est super important de toujours proposer un rappel téléphonique parce que c'est une somme importante et les gens ont besoin de savoir avec qui ils vont s'engager. Donc, je vous incite vraiment à proposer aux personnes qui vous contactent un rappel téléphonique. Le 10e point, et il est super important, comprenez bien que la vente de vos coachings, c'est pas juste sur Internet. Le monde réel, le monde qui nous entoure, est un vrai pourvoyeur d'affaires. Allez dans les chambres de commerce, allez aux séminaires d'entreprise, allez aux conférences, allez aux ateliers, discutez avec les gens, parlez à la machine à café, posez des questions aux conférenciers, présentez-vous. Plus vous avez cette attitude réseautage, et plus vous surmultipliez la possibilité de faire des ventes. Encore une fois, le coaching, c'est une histoire de personne, c'est un être humain qui va aider un autre être humain. Et donc le fait de parler de vos prestations en réel, en chair et en os, si vous croisez quelqu'un lors d'une conférence ou d'un séminaire, est 50 fois plus efficace que de simplement envoyer un email ou de simplement balancer quelques messages sur les réseaux sociaux. Donc si vous êtes coach, ne soyez pas 100% en ligne. Allez aussi chercher vos clients dans le monde réel. Bien évidemment, si vous voulez en savoir plus sur les prestations que je propose, vous pouvez toujours m'envoyer un email en utilisant la page de contact de trafficmania.com. Je vous invite aussi à rejoindre ma newsletter. Vous avez le petit lien qui est dans la description. Vous savez comment ça fonctionne. Non seulement vous recevrez un guide copywriting et une formation sur le trafic, mais en plus de ça, vous recevrez des astuces marketing exclusives que je ne partage qu'avec mes abonnés. Donc on se retrouve tout de suite sur la newsletter et à très bientôt sur cette chaîne. Merci beaucoup, salut !